tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Il était une fois en Asie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une saga qui perdure depuis 1990, que ce soit avec le manga initial qui a engendré diverses séries dérivées, ou encore les adaptations, qu'elles soient en animation ou avec des acteurs. Soit Gumn. Bien que je ferai un petit tour d'horizon des différentes séries dérivées, en revanche, pour ce qui est du manga, je me concentrerai uniquement sur les 9 tomes de la série initiale. Donc nous n'allons pas parler en profondeur de Gumn Last Order, qui leur fait suite, ou encore de Gumn Mars Chronicles, qui a débuté depuis quelques années. Et bien évidemment, comme nous allons parler d'adaptation, il y aura donc pas mal de spoilers, car nous allons parler à la fois du manga, des OAV produites dans les années 90, et bien évidemment du film de Robert Rodriguez, Alita Battle Angel. Donc si vous ne connaissez absolument pas l'univers de Gumn, et que vous n'avez d'ailleurs même pas vu le film de Robert Rodriguez, je vous conseille plutôt de rebrousser chemin. En revanche, pour ceux qui connaissent un minimum le manga, ou qui tout simplement ont vu les OAV de 1993, ou le film de 2019, alors je vous propose de partir pour Kuzutetsu. Tout débute en 1990 avec Yukito Kichiro, le mangaka à l'origine de Gumn et de son univers partagé. Ce grand fan de la mangaka Rumiko Takahashi travaillait alors pour la Shueisha sur un one-shot qui mettait notamment en scène un cyborg nommé Gali. L'éditeur lui a alors demandé de faire toute une série autour de ce personnage, ce que Yukito Kichiro accepta. Les années passent et Gumn devient un des mangas références de son époque. Mais en 1994, un événement d'origine inconnue encore aujourd'hui a profondément marqué Yukito Kichiro, au point qu'il a voulu en terminer le plus rapidement possible avec Gumn. Ce qui explique pourquoi les actions se succèdent à un rythme dingue dans les derniers tomes, que les origines de Gali sont à peine évoquées dans le tome 9, ou tout simplement qu'un arc narratif se déroulant dans l'espace a finalement été dégagé du manga initial pour finalement atterrir dans la suite de Gumn, Last Order, qui a commencé à être publié à partir de 2000. Peu de temps après l'arrêt de Gumn en 1995, Kichiro revient à son univers de prédilection avec un recueil de diverses histoires nommées Other Stories. Puis, entre 1997 et 2000, il signe deux séries dérivées. Le premier est Ashman, publié en 1997. Il met en scène un combattant du Motorball qui n'arrive jamais à finir une course puisqu'il accumule les accidents. Le Motorball est bien évidemment inspiré du Rollerball, ce sport issu d'une nouvelle de William Harrison et qui a ensuite été montré à travers ses deux adaptations, la première réalisée par Norman Jewison, la seconde par John McTiernan. Le principe est plus ou moins le même puisqu'il s'agit d'une course en roller qui va mener à la récupération d'une balle et le joueur va devoir la garder le plus longtemps possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce qui change un peu du rollerball puisqu'il s'agissait de mettre une balle dans un endroit spécifique. De la même manière, la plupart des personnages sont ici des cyborgs qui vont donc être modifiés en fonction des combats qu'ils vont devoir faire. Inutile de dire que comme avec le rollerball, les différents combats sont particulièrement violents et les concurrents finissent souvent en charpie à la fin de la course. Le second spin-off, Aqua Knight, est en revanche dans une autre situation, puisque malgré qu'il a été publié entre 1998 et 2000, il a été interrompu par Kichiro qui s'est définitivement lancé dans Last Order. Nous sommes toujours dans l'univers de Gumn, mais cette fois-ci dans un milieu plus aquatique. Par contre, nous avons toujours le principe des chasseurs de primes, puisqu'ils sont remplacés ici par les Aqua Knight, dont fait partie l'héroïne. Depuis la fin de Last Order en 2014, Kichiro s'est lancé dans une nouvelle série Gumn, c'est-à-dire Mars Chronicles, qui est une prequel mettant en scène Gali lorsqu'elle était enfant sur Mars. Un manga qui est toujours en cours de publication à l'heure actuelle. Au premier abord, Gumn est un manga particulièrement intéressant dans la mesure où son auteur a réussi pertinemment à se renouveler au cours des 9 tomes, quitte à ne pas se reposer sur ses acquis. Des personnages vont mourir, d'autres vont se rajouter à la fête, comme ce sera le cas de Foggia, qui deviendra par la suite le love interest de Gali, ou d'En, le chef du Barjac, soit une sorte de Lord Humongous de l'univers de Gumn. D'autres vont évoluer en bien ou en bien pour Gali, en mal pour Zapan, et certains personnages vont gagner en importance au fil des tomes, comme ce sera le cas de Destinova, à peine évoqué dans les premiers tomes, et qui deviendra un personnage central à partir du cinquième. En premier lieu, Kichiro braque ses feux sur la ville de Kuzutetsu, qui est une sorte de décharge pour la ville de Zalem qui se trouve juste au-dessus.
Tel un rêve d'Icare, les habitants de Kuzutetsu ont envie d'aller sur Zalem. Et évidemment, les Zalemiens font tout pour qu'ils n'y aillent pas, notamment en les exterminant s'ils passent par la voie des airs ou alors par des points d'accès entre la Terre et Zalem. Ce qui a certainement dû inspirer Neil Blomkamp quand il a écrit Elysium. En sachant que les Zalemiens peuvent être bannis de la ville de Zalem, comme c'est le cas de Destinova ou alors d'Ido, le scientifique chasseur de primes qui recueille Gali. Des personnages que l'on reconnaît notamment par une petite trace rouge ici. Il y a évidemment un fort taux de criminalité et des chasseurs de primes sont là pour exterminer les primes. Gali finira par devenir chasseuse de primes avant de se lancer dans le motorball. Et après, c'est une toute autre histoire. Puisque le motorball n'est finalement qu'une infime partie du manga, alors que c'est certainement un de ses arcs narratifs les plus connus. Cet arc narratif du motorball est certainement le plus jouissif, mais il n'en reste pas moins que, en termes de dramaturgie, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Gali apprendra à se faire battre, et on fera la connaissance de tout un univers où émerge le fameux Jazugun, qui n'est autre que la grande star du motorball. Un personnage charismatique qui, malheureusement, n'apparaît que très peu dans le film de Robert Rodriguez. Moins de 30 secondes, et joué par un des pires acteurs de sa génération, soit Jay Courtney. Après Rollerball, c'est au tour de Mad Max 2 de passer à la moulinette de Kichiro pour les 5 derniers tomes. En effet, on se retrouve dans un univers beaucoup plus désertique, avec des motos et des automobiles de partout, armés jusqu'aux dents comme s'il fallait faire la 3ème guerre mondiale. D'ailleurs, certaines planches de la BD ne sont pas sans faire penser à ce que deviendra par la suite Mad Max Fury Road, soit un projet lancé vers 1997, soit 2 ans après la fin de Gumn. Donc peut-être que George Miller s'est un peu inspiré de Gumn, qui lui-même s'est inspiré de Mad Max 2. Comme pour être à contre-courant de ce que veulent les lecteurs, Kichiro se veut beaucoup plus métaphysique dans les dernières pages de la bande dessinée. D'un côté, on se retrouve avec des délires mentaux qui ne sont pas sans rappeler la fin d'une célèbre série d'animation qui sera diffusée peu de temps après la fin de Gumn, soit Neon Genesis Evangelion, et de l'autre côté, on se retrouve avec un florilège d'explications qui peuvent être un peu bourratives. Mais Gumn a une véritable fin, et si vous n'avez pas envie de lire Last Order, vous avez au moins une conclusion claire, nette et précise aux aventures de Gali. Elle va jamais cesser de chuter, mais elle va toujours se relever au fur et à mesure de l'aventure. Et c'est ça qui fait de Gali un personnage particulièrement passionnant. Qu'importe toutes les modifications qu'elle pourra avoir au cours du récit, ce qui compte c'est son humanité, et elle est symbolisée en quelque sorte par les organes qu'elle avait initialement, soit son cerveau, et son cœur. 24 ans après sa publication, Gumn reste toujours un manga particulièrement passionnant, violent, radical, complexe même parfois, mais toujours intéressant à suivre et avec une héroïne en or. Au vu du succès du manga, il n'y a donc rien d'étonnant à ce que Gumn soit adapté, qui plus est en animation comme cela se faisait énormément à l'époque. Sauf qu'ici nous parlons d'OAV, c'est-à-dire des films ou une série d'épisodes voués à ne sortir qu'en vidéo. C'est le cas par exemple d'un film comme Final Fantasy VII Advent Children. Le projet autour de Gumn était de produire 2 OAV qui se concentraient essentiellement sur les 2 premiers tomes. L'animation est en grande partie confiée au studio Animate, à qui l'on doit quelques animations pour Ninja Scroll ou Rugen Z. À la réalisation, on retrouve Hiroshi Fukutomi, animateur, storyboarder et réalisateur depuis les années 70. Il a ainsi été animateur sur Panda Petit Panda, des courts-métrages réalisés par Isao Takahata en 1972. Il a été storyboarder sur des projets de série comme DNA au carré ou XXX Solik, ainsi que sur le film Léo Roi de la Jungle, adaptation du manga d'Osamu Tezuka, réalisé en 1997. Et à partir de 1974, on le retrouve réalisateur sur des épisodes de séries ou des films, à l'image du premier film Doraemon en 1980, ou des séries Cat's Eyes ou Le Collège Foufoufou. Et enfin, en ce qui concerne l'adaptation, ils font appel à Akinori Endo, que l'on connaît notamment pour son travail sur la franchise Gundam depuis les années 80. Outre cela, on le retrouve également scénariste sur des séries animées comme Le Petit Chef, Emi Magique ou City Hunter, dont il scénarisera quelques films ou téléfilms, mais également sur des projets beaucoup plus adultes, type OAV, comme ce sera le cas avec Cyber City ou Eda 808 de Yoshiaki Kawajiri, ou Armitage 3. Quant à Yukito Kichiro, il fut finalement très peu impliqué lors de la production des OAV.
On l'avait convié à une réunion où il avait ramené plusieurs notes, et finalement elles ont toutes été rejetées parce que, à ce stade de la production, les scripts étaient déjà terminés et l'animation était déjà en cours de route. Il a également dit qu'il aurait pu attendre une meilleure offre, mais comme il était omnubilé par la publication du manga, il a finalement laissé faire. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a dégagé toute éventualité de projet à animer à l'avenir pour privilégier une adaptation live-action avec James Cameron, puis avec Robert Rodriguez. Les OAV sont sortis en 1993 au Japon et 2 ans plus tard en France via l'éditeur Manga Video, à une époque où Glénat était en train de commencer à publier le manga. Alors Manga Video, pour resituer aux plus jeunes, c'est un peu l'équivalent du Club Dorothée, mais pour l'animation japonaise beaucoup plus adulte. Et par là, on parle bien évidemment de crues comme Akira, Ghost in the Shell, Ninja Scroll et les autres joyeusetés de Yoshiaki Kawajiri comme La Cité Interdite. Si l'on accepte la fidélité extrême, sur laquelle on reviendra plus tard, en revanche, on peut dire que les OAV de Gum sont vraiment de qualité, dans la mesure où elles parviennent à retranscrire pleinement l'univers radical et violent du manga. Étant donné que nous parlons d'OAV et non de films de cinéma ou d'épisodes de séries télévisées, on a donc une plus grande liberté de ton, et ça se ressent grandement quand on compare ces OAV avec le film de Robert Rodriguez qui est malheureusement un PG-13. D'autant plus que les deux projets adaptent en grande partie les mêmes tomes, et que Rodriguez et ses scénaristes ont également adapté les OAV, d'où la présence de Shiren, personnage totalement inédit au manga, et introduit dans les OAV, ainsi que la mort de Vector qui se trouve également à la fin de la deuxième OAV et à la fin du film de Rodriguez. Pour ce qui est du dernier événement, on peut surtout voir la volonté de marquer le coup, puisque le personnage dans le manga n'apparaîtra finalement que très peu par la suite. Puis, évidemment, il y a les différences drastiques entre le manga et les OAV. Yugo apparaît très rapidement dans les OAV, là où dans le manga, il ne fait sa première apparition qu'au début du tome 2, qui plus est dans une situation totalement différente. On peut le voir comme une volonté d'aller plus vite dans la présentation des personnages centraux. Le premier grand ennemi de Gali, Makaku, est finalement remplacé ici par un certain Grusika qui fait à peu près la même chose que lui, chose qui sera réitérée dans le film de Rodriguez d'ailleurs. L'une des grandes différences que l'on retrouve entre les OAV et le manga est la présence de Zapan. Ici, Zapan n'est qu'un personnage qui essaye d'arrêter le personnage de Yugo dans ses méfaits. Donc finalement, il fait son travail de chasseur de primes tout simplement. Alors que dans le manga, Zapan est quand même un personnage très important, dans la mesure où il deviendra progressivement la némésis de Gali jusqu'à sa fin définitive en cours de tome 5. Ce qu'il y a d'intéressant avec le personnage est sa progression vers le mal, ce qui explique certainement sa non-présence dans ses OAV. Cela permet notamment à l'intrigue de se focaliser sur le parcours de Gali, que ce soit aux côtés d'Ido ou de Yugo. Chose intéressante, les OAV ont une véritable conclusion permettant justement d'éviter toute frustration au sujet d'une fin ouverte qui n'aurait finalement mené à rien. Donc si vous désirez voir une adaptation assez fidèle à l'ambiance du manga, c'est-à-dire brutale et violente, je vous conseille ces OAV, d'autant qu'elles ne sont pas très longues, environ 50 minutes, et qu'elles sont facilement trouvables sur YouTube. Peu de temps après la production de Titanic, Guillermo del Toro, grand ami de James Cameron, lui montre les fameuses OAV. Peu de temps après, James Cameron lit le manga et en acquiert les droits. Il est bon de savoir qu'à cette époque, Jean-Pierre Dionnet, qui a beaucoup fait pour le cinéma asiatique en France, notamment via la collection Asian Star chez Pathé, a voulu acquérir les droits de Gumne. Dionnet désirait donner le poste de réalisateur à Kirk Wong, un réalisateur hongkongais que malheureusement le grand public français ne connaît pas vraiment, au contraire d'un John Woo ou d'un Soi Arc. Pourtant, Kirk Wong est un excellent réalisateur, et parmi ses faits d'armes les plus mémorables, on retrouve Gunman, une excellente relecture des Incorruptibles dans le Hong Kong des années 30, Crime Story, où il a été viré en cours de tournage par Jackie Chan qui trouvait son film trop sombre, si bien qu'on ne sait pas trop ce qui est de Wong ou alors de Jackie Chan, et il y a le fameux The Big Hit où Marky Mark fait des cascades façon John Woo entre deux fourrages de dinde. Mais malheureusement pour Dionnet et Kirk Wong, le projet en restera là puisque Cameron avait déjà acheté les droits et de toute manière, selon Kichiro, c'était une offre qui ne pouvait pas se refuser. On pense alors dans les années 2000 que le projet, qui sera vite baptisé Battle Angel Alita, du nom du manga aux États-Unis, sera le nouveau film de James Cameron. Et puis on attend un petit peu, on attend encore, et puis finalement plus rien. Tout simplement parce qu'à cette époque, James Cameron hésite entre deux projets. Le premier est donc Battle Angel Alita, et de l'autre, il y a un projet qui lui trotte dans la tête depuis plusieurs années, c'est-à-dire Avatar.
Le but de James Cameron est de concrétiser les deux projets avec la meilleure technologie possible. Sauf qu'au bout d'un moment, il délaisse le projet Battle Angel Alita pour pouvoir concrétiser Avatar qui finira par sortir en 2009. On aurait pu alors penser que James Cameron enchaînerait avec Battle Angel Alita, puisque la technologie était désormais au point. Sauf que malheureusement, James Cameron se lance dans une flopée de suites à Avatar qui ne sortiront finalement que à partir de l'année prochaine, si tout va bien, et Battle Angel Alita tombe dans les oubliettes. Le projet finit par ressusciter grâce à l'implication de Robert Rodriguez qui, au cours d'une rencontre avec James Cameron, lui demande où en est le projet. Cameron lui dit que malgré les concept art qui ont été effectués et un scénario de plus de 200 pages, il n'a jamais réussi à en tirer quelque chose. Avant cette rencontre avec Rodriguez, Cameron avait déjà confié le scénario à une autre scénariste pour pouvoir essayer d'en tirer quelque chose en fin de compte. Il s'agit de Laëtha Kalogliddis, à qui l'on doit la création de la série Altered Carbon pour Netflix, mais aussi le scénario de Shutter Island et surtout des horreurs comme Terminator Genesis. Voyant que Rodriguez est plutôt intéressé par le projet, Cameron finit par lui donner ses travaux pour essayer peut-être d'en tirer quelque chose de convenable. Rodriguez s'y attelle et finalement il devient le réalisateur de Battle Angel Alita qui devient par la suite Alita Battle Angel. L'annonce de Robert Rodriguez à la réalisation d'Alita Battle Angel n'a pas forcément plu à tout le monde. Et pour cause, Rodriguez n'est pas forcément un grand réalisateur à proprement parler. Encore moins un réalisateur qui fait des folies à plus de 170 millions de dollars, puisque les films du réalisateur sont budgétés entre 7000 et 67 millions de dollars, soit pas du tout des gros blockbusters. Débutant avec El Mariachi en 1992, auquel il donnera lieu à des sortes de sequel remake nommés Desperado avec Antonio Banderas et Salma Hayek, Robert Rodriguez fait son petit chemin à Hollywood avec des films pas forcément très folichons, mais plutôt jouissifs et intéressants, à l'image de Une nuit en enfer en 1996 avec George Clooney et Quentin Tarantino, ou alors The Faculty en 1998, sorte de néo-slasher à la sauce Body Snatchers. Mais à partir des années 2000, c'est plutôt la débandade, et on ne retient finalement que deux films jusqu'à Alita. D'un côté, Sin City, adaptation très trop fidèle de la bande dessinée de Frank Miller, et de l'autre, Planet Terror, deuxième film Grindhouse, tellement, mais alors tellement mieux que le sinistre film de Quentin Tarantino, Boulevard de la Mort. Robert Rodriguez est également un grand amateur de l'expression « do it yourself ». Pour éviter d'augmenter les coûts, il a souvent opté pour plusieurs métiers sur la production d'un de ses films. Ainsi, il réalise, produit, scénarise, monte, compose la musique et souvent est le chef opérateur de ses films. Donc ici, vu que l'on est dans une grosse production, il a finalement délégué pas mal de choses. Ainsi, on retrouve Junkie XL à la musique du film, soit le compositeur de la furieuse bande originale de Mad Max Fury Road, mais également d'une pléthore de bandes originales anecdotiques. Et, en chef opérateur, il a pris Bill Pope, soit le chef opérateur de la trilogie Matrix, des deux derniers films d'Edgar Wright, et également de Spider-Man 2. D'ailleurs, s'il y a bien quelque chose à ne surtout pas reprocher à Alita Battle Angel, c'est certainement son visuel. La photo de Bill Pope est absolument magnifique, les scènes d'action sont lisibles, très bien rythmées et spectaculaires à l'image de la scène du Motorball. Les effets spéciaux ont été tellement retravaillés depuis la première bande-annonce que finalement aujourd'hui la plupart passent crème, à l'image des fameux gros yeux d'Alita qui faisaient au départ polémique mais sont finalement très bien réalisés dans le film fini. Même le personnage de Zapan joué par Ed Skwein passe très très bien à l'écran alors qu'au départ il faisait un peu peur. Malheureusement, il y a toujours des problèmes avec certains personnages, à l'image d'un des premiers adversaires d'Alita, qui est absolument inexpressif, ou alors certains de ses concurrents qu'elle affronte lors du Motorball, où on a l'impression qu'on a intégré des visages à droite et à gauche sur des grosses machines. Le problème de Alita est bien évidemment son scénario, et particulièrement son travail d'adaptation. Prenons l'exemple du Motorball pour commencer. L'introduction du jeu fonctionne pleinement, et la scène avec Gali est absolument phénoménale. Mais malheureusement, elle atterrit à un moment charnière du récit, c'est-à-dire le moment où Hugo est traqué pour ses crimes. Donc Rodriguez laisse complètement en plan le Motorball pour pouvoir montrer la course d'Alita pour aller sauver Hugo. Sauf que malheureusement, on ne reverra plus jamais le Motorball dans l'intrigue du film, à part dans la fin ouverte, qui ne montre aucune action. C'est là que l'on se dit qu'il aurait peut-être mieux valu montrer le Motorball dans une suite plutôt que dans un premier film, puisque finalement Rodriguez n'en fait quasiment rien. Il aurait très bien pu montrer le Motorball juste après la mort d'Hugo, ce qui aurait été totalement fidèle au manga, puisque suite à la mort d'Hugo, Alita devient une véritable star du Motorball.
Or, Rodriguez préfère la facilité en montrant le temps qui passe avec une vue accélérée de la ville. Tout cela pour nous montrer ce fameux plan que l'on voit dans la bande-annonce, avec Alita qui vise le ciel avec sa lame de Damas en direction de Destinova. Destinova, ce personnage qui n'apparaît véritablement qu'à partir du tome 5. Destinova, ce personnage qui, normalement dans le manga, n'est plus du tout à Salem. Destinova, ce personnage qui apparaît donc beaucoup trop tôt dans une adaptation de Gunn. Certes, on pourrait dire que je pinaille, mais finalement, c'est faire des sous-intrigues pour faire des sous-intrigues dans un film qui mériterait davantage d'aller à l'essentiel. Donc si Alita Battle Angel est un film très sympathique, voire attachant, et qu'il a d'indéniables qualités, en revanche, on peut clairement dire qu'il veut trop en montrer sur 2 heures, au point de s'en brûler les ailes. Avec plus de 400 millions de dollars de recettes totales, on peut espérer une suite à Alita Battle Angel. Et on l'espère clairement parce que, une fin ouverte comme ça, on espère toujours avoir une suite, sinon c'est complètement raté. Mais avec le rachat de la Fox par Disney et le fait que le film n'a rapporté qu'un peu plus de 80 millions de dollars de recettes aux États-Unis, les chances d'une suite à Alita Battle Angel ne sont pas forcément phénoménales. Donc wait and see. Voilà pour ce nouveau numéro d'Il était une fois en Asie, j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à la commenter sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitter. Et surtout, je vous dis à la prochaine pour une spéciale Dragon Ball.